Japon, comme je disais, bon, depuis tout petit, voilà, je voulais aller au Japon. Je voulais même. Enfin, mon rêve, c'était de devenir japonais, quoi. Je voyais les films, tout ça. Et donc, voilà, je collectionnais les trucs qui venaient du Japon, ce que je pensais venir du Japon. Donc, il y a toujours eu ça. Après, bon, il y avait l'aïkido, effectivement. Et puis, donc, bon, comme j'ai dit, Cyril Lagrasta m'a donné l'opportunité de partir au Japon la première fois. Donc, du coup, il m'a fait me rendre compte que c'était possible. On pouvait aller au Japon. Une porte s'ouvrait. C'était OK d'aller au Japon. Donc, dès ce voyage, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est sûr, je reviendrai de temps en temps m'entraîner à l'aikikai et visiter le Japon. Et puis quand même, moi j'ai vécu à l'étranger et je sais que les endroits où j'ai vécu, enfin, je les connais vraiment. Pourquoi? Parce que j'y ai vécu. C'est complètement différent. J'ai voyagé dans plein d'autres endroits, mais en touriste, et c'est pas du tout la même expérience, quoi. Donc vraiment, je pensais que si vraiment on avait un intérêt pour le Japon, bon, on ne pouvait pas trop faire autrement que d'y vivre. Mais pour moi, c'était une porte qui était fermée, quoi. Je ne voyais vraiment pas comment est-ce qu'on pouvait s'installer au Japon. Je voyais bien l'aïkikai, il y avait quelques étrangers qui vivaient là. Mais moi, je suis d'un naturel très très timide, donc j'ai pas la capacité d'aller vers les gens facilement, donc j'aurais certainement pas parlé, quoi. Donc voilà, je me demandais un peu comment ça se faisait. Et je me souviens d'une fois, à la fin de ce premier séjour, bon, Philippe et puis Cyril, ils ont un peu cette tradition. À la fin du séjour, ils vont boire un verre au Parc Hyatt, qui est le bar dans le film Lost in Translation, avec une vue magnifique sur Tokyo. Et je me souviens, on est monté là-haut, je sais pas quel étage du Parc Hyatt, et on a bu un verre, un whisky extrêmement cher avec Philippe et Cyril. Et puis je discute avec Philippe, qui est jamais avare de partager son expérience du Japon. Il me disait qu'il avait donc, effectivement, il était beaucoup allé au Japon, il s'était beaucoup beaucoup entraîné, mais que peut-être c'était peut-être un peu trop entraîné en fait, qu'il connaissait peut-être pas le Japon aussi bien qu'il aurait pu ou qu'il aurait voulu. Et moi, je réfléchissais à ça, puis je me disais, oui, moi aussi, j'aimerais bien connaître le Japon bien. Il me semble que juste venir m'entraîner au Japon de temps en temps, peut-être pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans, ça semblait peut-être pas forcément suffisant. Puis je me souviens, je me suis levé pour aller me balader, pour aller apprécier la vue une dernière fois avant de partir. Et je vois ce paysage de la ville de Tokyo de nuit, là, cet environnement un peu à la Blade Runner, et je me dis. Vraiment, j'aimerais bien voir ce paysage, j'aimerais bien avoir accès à cette vue quand je veux, quoi. Et là, je me suis dit, bon, la seule façon d'avoir accès à cette vue quand je veux, c'est de venir vivre ici, quoi. Et donc, voilà, je me suis dit, bon, en rentrant, je vais essayer de faire en sorte de venir vivre ici. Donc, je suis rentré en Irlande, j'ai fini mon doctorat comme je pouvais, en tout cas le travail enfin, au labo. Et immédiatement, une fois que je me suis mis d'accord avec ma superviseuse sur le fait que j'avais suffisamment de résultats pour écrire une thèse, ce qui n'a pas été facile, parce qu'elle voulait que je reste plus longtemps, j'avais plus de financement, donc ça commençait à devenir compliqué. Je suis parti au Japon. D'ailleurs, je ne lui ai pas dit à elle, je lui ai fait croire que j'étais rentré en France, et j'ai mis tout un système en place pour qu'on puisse communiquer, qu'elle ne s'aperçoive pas qu'il y a un décalage horaire, enfin bon, tout une usine à gaz. J'avais des alertes quand elle m'envoyait un email, des alertes qui forwardaient à mon téléphone portable, qu'il faisait sonner. Donc je me réveillais, j'allumais le PC, je répondais à l'email ou je lui parlais sur Skype, j'allumais toutes les lumières pour faire croire que j'étais en France. Je ne mettais pas la carte postale avec la Statue de la Liberté derrière moi, mais pratiquement ça, quoi. Enfin bref, donc j'ai fait comme je pouvais. J'ai écrit ma thèse pendant que j'étais au Japon. J'ai enchaîné les petits boulots. J'ai été un peu serveur dans un resto. Dans les breaks, j'écrivais ma thèse, et puis bon, ça a été un petit peu difficile. La raison pour laquelle je suis allé au Japon, c'est que j'ai entendu parler du visa vacances-travail, qui est un visa d'un an. Vous avez le droit de travailler plein temps. Donc j'ai fait une demande en rentrant en France après l'Irlande, et puis ça a été accepté. Et dès que j'ai eu le visa, bam, je suis parti. Et donc voilà, j'enchaînais les petits boulots, puis au bout d'un moment, j'ai réussi à trouver un travail comme prof de biologie dans une école internationale. Et voilà, donc ça a commencé à aller mieux.
beaucoup plus de temps pour m'entraîner. Je dirais pas que je me suis entraîné tous les jours parce que, enfin, en tout cas, pas chaque cours. Tous les jours, oui, mais pas chaque cours. Quelqu'un qui dit je me suis entraîné à tous les cours, moi j'ai le plus grand respect parce que, bon, des fois on a un peu mal parti par là, des fois on a une soirée un petit peu chargée, puis le cours du dojo c'est quand même tôt. Alors, je me suis beaucoup entraîné. Et puis voilà, après, bon, j'ai trouvé un autre emploi dans le consulting pour la recherche médicale, et puis ça a créé un équilibre, et voilà, l'installation s'est faite. Donc, bon, l'arrivée à l'Aikikai, bon, enfin, pour moi, c'est un endroit, bon, mythique. J'étais très très anxieux en y allant. Est-ce que j'allais survivre? Est-ce que les tatamis durs, les pratiquants de haut niveau, les professeurs, vraiment le nœud au ventre en y allant la première fois, mais heureusement, bon, Cyril était là, Philippe était là, ça s'est bien passé. Après, quand je suis revenu m'installer, bon, je faisais beaucoup de cours, mais comme je disais, bon, je suis d'un naturel assez timide. Et donc, bon, j'étais plutôt dans mon coin, quoi. Je faisais les cours, je m'entraînais aussi fort que je pouvais. Et puis, dès que j'avais fini, bah, je rentrais chez moi, je m'habillais, je rentrais chez moi, je ne parlais pas aux gens. J'ai fait ça comme ça pendant longtemps. Donc, c'était un peu difficile parfois. Bon, encore une fois, au début, je galérais au niveau du travail. Il y avait ce challenge au niveau de l'aikikai. C'était assez difficile, mais j'ai vraiment fait de mon mieux. Je pense qu'il y a une chose que j'ai toujours fait, et ça datait de très tôt, quand j'ai changé de dojo, j'ai toujours fait en sorte de vraiment faire de mon mieux pour que le plus rapidement possible, je fasse partie des meubles. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais que les gens qui pratiquent avec moi dans les dojos aient l'impression qu'ils pratiquent avec quelqu'un qui était là depuis toujours, qui avait les mêmes codes, les mêmes techniques. Donc vraiment, j'ai essayé de faire cet effort de caméléon. Et donc j'ai fait ça à l'Aikikai aussi. Et petit à petit, les professeurs ont commencé à me prendre comme OK. Et voilà, le rapport un peu pédagogique s'est mis en place jusqu'au jour où, bon, maintenant, pratiquement tous les professeurs me prennent comme OK. Et voilà, ça se passe bien. Mais c'était difficile. Je me souviens, je suis rentré en France une fois, un peu avec le blues, quoi. Et puis bon, c'était dur, le Japon. Puis je me suis dit, c'était peut-être pas une bonne idée d'aller au Japon. Mais bon, je me suis dit, allez, je vais revenir quand même, je vais finir mon visa, et puis après, on verra. Je me souviens, je suis rentré à l'Aikikai et c'était le cours de Miyamoto Sensei. Et Miyamoto Sensei me voit et me dit Okaeri nasai, ce qui veut dire bienvenue à la maison. Et là, je me suis dit, ah bon, ça, c'est, ah oui, c'est ma maison maintenant, c'est mon dojo. Et ça m'a donné un coup de fouet. Je me suis senti, si ce n'est légitime, au moins j'avais ma place au bout de dojo. Et voilà. Alors, les profs que je vais voir au Mudojo, c'est un petit peu compliqué. Je me souviens, quand je projetais d'aller vivre au Japon, j'avais entendu parler de lettres de recommandation. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien que j'en ai une. Je suis allé voir Philippe et je lui dis, Philippe, est-ce que tu pourrais me faire une lettre de recommandation pour le Mudojo? Et là, Philippe me regarde et il me dit, non, 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 garde ta liberté. C'est tout. Bah, je dis, bon, quand même, c'est un peu décevant comme réponse, quoi. J'ai l'impression que là, il m'envoie balader. Donc j'étais un peu déçu par la réponse. Mais ça, c'est le truc avec Philippe, c'est que parfois, il donne des réponses aux questions qu'on n'a pas encore posées, quoi. Et ce qui nous déçoit parfois, ou ce qu'on ne comprend pas, beaucoup plus tard, on le comprend. Ça prend du sens. Et vraiment, ce qu'il a dit, ça prend beaucoup de sens aujourd'hui. Bref, j'ai pas eu cette lettre de Philippe. Ensuite, je suis allé voir Christian Tissier. J'avais vu des démonstrations de Yasuno Sensei et pour moi, voilà, j'avais vraiment envie d'étudier ça. Donc, je suis allé voir Christian Tissier et je lui ai dit est-ce que vous pourriez me faire une lettre d'introduction auprès de Yasuno Sensei? Et il me dit bon, le mieux que tu puisses faire, c'est de parler à une de ses élèves qui vit au Japon depuis longtemps et puis elle va t'arranger ça, quoi. Donc, c'est pareil, j'étais un petit peu déçu de la réponse, mais bon, encore une fois, Christian Tissier. Je ne connaissais pas bien, j'étais pas son élève, c'était peut-être même déplacé de ma part de lui demander un truc pareil, quoi. Donc bon, je suis donc arrivé au Japon, j'avais rien du tout.
Je me suis inscrit, j'ai pratiqué. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, parce que beaucoup de gens n'ont pas su d'où je venais. Et même, encore même aujourd'hui, certaines personnes, des fois, se rendent compte que je suis français et sont surprises parce qu'elles ne savaient pas. Ce qui est assez amusant, quoi. Je me souviens d'un repas avec Osawa Sensei il y a un an ou deux, où à un moment donné, il me dit, mais toi, tu es d'où? T'es l'Argentine, c'est ça? Et je regarde, je lui dis, mais non, Sensei, je suis de France. Je lui dis, vous ne le savez pas? Et il me dit, non, je ne sais pas. Et pourtant, voilà, je chutais pour lui depuis quelques temps. On se voyait souvent, mais voilà. Parce qu'on parlait toujours en japonais, donc effectivement, il ne savait pas. Et donc, je suis rentré un petit peu par la petite porte à l'Ekikai, quoi. J'ai fait mon trou petit à petit, mais tout compte fait, ce qu'avait dit Philippe au sujet de la liberté, en fait, c'était très, très juste, quoi. Je suis arrivé à l'Ekikai, j'étais pas tamponné d'une école, ou comme élève d'un professeur, et je fais ma place, ma réputation, et tout ça était basé sur ce que je faisais, pas sur la façon dont je me présentais ou de la façon dont on me présentait. Et ça, c'était très important, en fait. À long terme, j'en suis très heureux. Ensuite, on parlait un peu de l'aspect affectif et des professeurs que je vais voir. Je suis pas un professeur en particulier. Je trouvais ça dommage, en fait. L'Ekikai, c'est quand même un endroit où il y a tellement de choses. Mais je peux plus aller voir tous les professeurs. Et il y a des professeurs que je n'ai pas spécialement envie d'aller voir. Et effectivement, l'aspect humain a pas mal à faire avec le fait que je vais voir un professeur ou pas. Donc, je ne suis pas un professeur en particulier, mais il y a des cours que j'essaie de ne pas rater. Et les cours de Miyamoto Sensei, les cours d'Ozawa Sensei, les cours de Kobayashi Sensei, j'essaie de ne pas les rater. Parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup suivre plus les cours de Kobayashi Sensei, par exemple, mais bon, il enseigne à des horaires qui sont compliqués pour moi au niveau du travail. Bon, Miyamoto Sensei, c'est l'homme, vraiment. C'est l'homme, c'est quelqu'un de complexe, mais quelqu'un de très généreux. Un technicien remarquable. Et c'est encore une fois, c'est la personne qui m'a fait que je me suis senti à l'aise au bout d'ojo. Il a fait cet effort, mais il n'a pas fait cet effort que pour moi, il le fait pour beaucoup de gens. Il a cette attitude vraiment à l'écoute. Donc pour moi c'est Miyamoto Sensei, c'est un sensei, c'est un shien dans le sens du modèle, quoi. Je me souviens d'une fois où on mangeait et bon, il y avait une personne qui une étrangère qui se comportait pas très bien sur le tapis au Budojo, qui a eu des problèmes avec beaucoup de profs. Puis un jour, bon c'était peut-être pas très approprié, mais je demande à Miyamoto Sensei, mais comment ça se fait que vous projetez cette fille, quoi. Vous avez vu comment elle se comporte au Budojo? Et il me dit, oh, je t'arrête tout de suite. Le Budojo, c'est une grande famille. Et des fois, dans une famille, il y a des gens qu'on aime moins que d'autres. Mais comme dans une famille, eh ben, on a affaire à tout le monde et on n'exclut personne. Et peut-être qu'avec du temps et de la patience, cette personne se comportera mieux. Et moi, j'entends ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionné, beaucoup inspiré. J'étais très content d'entendre ça d'un professeur. Donc voilà, ça c'est Miyamoto Sensei. C'est particulier, Miyamoto Sensei, bon, je l'ai invité à mon mariage. On n'est pas proches, hein, on n'est certainement pas amis ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a ce lien quand même. Voilà, ses enfants ont à peu près le même âge que moi. Donc voilà, il y a ça. Osawa Sensei, voilà, c'est une technique, une explosivité, une puissance. Et pourtant, au niveau de son corps, enfin, on peut difficilement être plus différent, lui et moi. Mais sa technique m'a vraiment donné des clés pour mon propre Aikido. Vraiment, beaucoup d'inspiration, qui ont débloqué beaucoup de choses. Ça, oui, vraiment, Osawa Sensei, c'est technique pure, c'est quelque chose que... C'est encore quelqu'un chez qui j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre.
J'aime beaucoup l'homme aussi. J'ai toujours comparé Osawa Sensei un petit peu dans les sept samouraïs, là, ce samouraï qui se rase la tête et qui va sauver le bébé. C'est un petit peu. Enfin, il a ce côté un petit peu vieux. C'est pas dire vieux, mais ce côté un peu sage que j'aime bien. Donc c'est vrai que je vais beaucoup à ses cours également. Kobayashi Sensei, c'est assez marrant parce que c'est le premier prof de l'aikikai que j'ai rencontré. Quand je parlais du stage organisé par John Rogers, c'était Kobayashi Sensei le premier qui est venu. Et donc quelque part, je me suis dit, bah, ce serait sympa de retourner le voir. Et puis c'est quelqu'un dont l'aïkido est aussi est tout à fait pertinent dans le cadre que moi j'essaie de mettre en place. Et j'apprends beaucoup, beaucoup de lui. Et puis c'est quelqu'un de très facile d'accès. Et encore une fois, une technique qui beaucoup d'inspiration. Mais bon, il y a tellement de professeurs, c'est difficile d'en isoler que quelques-uns, quoi. Chacun a des choses à apporter. Si on est capable de voir surtout le fil rouge, les similitudes entre les professeurs, et aller au-delà de la forme, puisqu'encore une fois, la forme, ce n'est que ça. C'est pour ça que je peux me servir de certains moteurs du Daitoryu dans l'aïkido, et ça n'affecte pas la forme. Et donc, quand on voit au-delà de la forme, on peut vraiment commencer à construire des choses intéressantes. Donc c'est ça qu'il faut faire au bout de jour encore plus qu'ailleurs, parce que sinon on peut être assez perdu. Le style Aikikai, c'est quelque chose. J'ai un peu de mal avec ce concept, quoi. Enfin, qu'est-ce que c'est le style Aikikai? Je pense avoir fait beaucoup, beaucoup de styles différents, d'écoles différentes. Parfois, je vois pas plus de différence entre Yoshinkan et puis peut-être, je sais pas moi, un autre style, qu'entre deux professeurs au sein d'un même style. Donc j'ai un petit peu de mal, au sein, pardon, d'une même école. Donc j'ai un petit peu de mal avec cette notion de style Aikikai. Enfin bon, l'Aikikai, c'est quand même une organisation qui est assez importante, qui regroupe énormément de dojos, de pratiques, d'enseignants, qui quand même, avec reprendre cette analogie de l'arbre, qui se sont séparés techniquement quand même il y a un moment. Voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait de style Aikikai. En tout cas, moi, je ne vois pas ni d'uniformité dans la pratique. Dans l'idée de la pratique, peut-être. Je ne vois pas non plus d'effort d'uniformisation de la pratique. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Ce qui, d'ailleurs, quand on étudie là-bas, moi, j'ai plus grand respect pour les gens qui commencent à l'aïkikaï, parce que sincèrement, il y a tellement de diversité dans la pratique que ça doit être assez compliqué de s'y retrouver au début si on n'a pas des bases assez solides. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'aïkikaï, Rombu Dojo, mais ni Rombu Dojo, ni dans l'aïkikaï, l'ombrelle aïkikaï étendue, je ne vois d'uniformisation, non. Je vois même des gens revenir sous l'ombrelle aïkikaï qui l'avaient quitté avant. Donc avec des pratiques vraiment, toute évidence, différentes. Et donc c'est juste, pour moi, c'est une grande famille, quoi. C'est une grande organisation, c'est une grande famille, mais pas un style en tant que tel.